Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre les gars, ma voiture, la Juni Mobile, qui m'a tenu pendant à peu près 2 ans et demi, est en train de me lâcher là. Donc comment j'ai découvert qu'elle commence à me lâcher là, c'est parce que... Mais frère, ça fait longtemps que je me dis qu'elle commence à me lâcher là, parce que les gars, elle déconne cette voiture là. Problème sur problème sur problème. En plus, le beau qui m'a vendu la voiture, il était là à faire genre, oh la voiture, aucun problème, Junior t'inquiète, et c'est une bonne voiture et tout. Je l'achète, même pas 2 mois après, il commence à avoir des problèmes. Carrément, les gars, la voiture était un paiement mensuel pour moi. À chaque mois, il fallait que je dépense quelque chose pour pouvoir réparer la voiture. 700 balles, 800 balles. Et je pense même que ceux que je vais voir pour pouvoir réparer ma voiture, là, ils m'arnaquaient à des moments parce que c'était impossible que la voiture ait autant de problèmes, frère. Allez, quel problème on aura ce mois? 200$, 300$, 400$, 500? Et les gars, il y a quelques mois, je me suis rendu à un moment où j'ai dit, Junior, je ne dépense plus rien pour cette voiture-là. Là, j'ai arrêté. Comme je m'en fous s'il y a des problèmes ou quoi, je ne dépense plus rien pour la voiture. Là maintenant, j'économise l'argent que je dépense là, à chaque mois pour la voiture, pour acheter une nouvelle voiture. Mais maintenant les gars, je viens d'avoir un problème là, je me suis réveillé, j'allais déposer Bijou à sa pratique de basketball. Et puis pendant qu'on roulait, j'ai vu qu'il y avait un signe de bactérie rouge qui apparaissait. Et ça n'a jamais fait ça auparavant, j'étais comme, wesh, Bijou regarde ça, c'est normal ou c'est mes yeux qui sont pas bien? Là il a regardé, il a dit, ah oui, il y a quelque chose qui est allumé en rouge. Et puis là maintenant c'est comme, oh hey, on a encore un nouveau problème. J'ai appelé là où j'ai réparé ma voiture là. Là, j'appelle le book, bonjour, il y a boum, 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 boum. Il y a un trou rouge là qui apparaît pendant que je roule, c'est bizarre, c'est anormal, un signe de bactérie, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, il me dit, ouais, tu peux venir, on va vérifier ça pour toi. J'étais comme, non, moi, je viens pas, parce que si je viens là-bas, il va essayer de me faire sentir mal. En plus, j'ai remarqué ça avec les mécaniciens et tout là, c'est pas mécanicien, oui, on peut dire mécanicien, non? Mais bref, comme ceux qui réparent les voitures là, j'ai remarqué ça avec lui. Chaque fois que je vais le voir, là, maintenant, il me fait part d'un problème. Il essaie de me faire sentir mal pour que je paye pour réparer le problème, sinon si je rentre chez moi, je vais me sentir mal. Oui, mon frère, tu dois réparer ça maintenant, hein. Sinon, je pense qu'il te reste même pas 2 semaines avec la voiture. Répare ça maintenant. Genre, la meilleure chose à faire maintenant, c'est de le réparer. Il me fait toujours sentir mal dans mon cœur pour que je répare ça sur le champ. Là, maintenant, je me dis, juste dis-moi le prix au téléphone. Genre, j'ai pas le temps de venir, juste dis-moi le prix. Là, il me dit, ça va être sûrement 150$, plus taxes, plus les frais d'installation, plus les frais de bla 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 bla. Donc, ça va peut-être revenir à 300 et quelques, 400$. Je suis comme, ok, merci, bye. Je raccroche. Nah. J'ai fait des petites recherches. Et là, j'ai découvert que le problème, c'est peut-être un problème de bactérie. Tu vois, ma bactérie, elle est faible. Donc là, maintenant, à tout moment, la voiture peut s'arrêter pendant que je conduis. Ouais. Et puis, je me rappelle, auparavant, mon daron avait déjà eu un problème comme ça. Et tout ce qu'il avait fait, c'est prendre une voiture et la voiture qui avait la bactérie faible, connecter des fils et puis augmenter la puissance, tu vois. Comme ça, là, la bactérie va revenir à... Oh! J'ai vu un book dans la rue et là je lui ai demandé, bonjour monsieur, est-ce que vous pensez que vous pouvez connecter votre voiture à ma voiture pour pouvoir augmenter la puissance et tout parce que mes bactéries sont faibles et tout. Et là il a dit non, mais je peux appeler une compagnie là. Donc là j'ai appelé une compagnie les gars, ils sont en route, ils sont spécialisés dans ça et puis ils vont réparer mon bail gratuitement. C'est genre mon assurance en fait, genre c'est compliqué là tu vois, ceux qui n'ont pas de voiture là vous n'allez pas comprendre, mais ceux qui ont une voiture, vous allez comprendre, tu vois, mon assurance, j'ai appelé mon assurance, ils m'ont donné rendez-vous dans un parking là. Et puis, dans quelques minutes, il faut que j'y aille parce qu'ils vont bientôt venir. La personne de téléphone a dit qu'ils seront là dans à peu près 45 minutes. Donc là, dans 5 minutes à peu près, je vais prendre la voiture. On va rouler, on va aller dans le parking là. On va les attendre, ils vont venir, ils vont réparer la Juni Mobile. Et puis, on espère que c'était ça le problème, quoi. J'espère que quand je vais démarrer la voiture, je vais plus voir le signe rouge là parce que... Ah! Cette voiture m'énerve, bro! Fuck! Si vous savez combien j'ai dépensé pour cette voiture là, les gars, vous êtes choqués. Je pense que... Si j'avais gardé tout l'argent que j'ai dépensé en réparation dans cette voiture-là, j'aurais pu m'acheter une Mercedes. J'aurais pu vraiment m'acheter une Mercedes déjà utilisée. Pas une nouvelle là, tu vois. Pas une brand new, mais une deuxième main, quoi. Aussi, la raison pour laquelle j'ai dit que je ne vais plus dépenser en réparation pour cette voiture-là, mais je l'ai dit tout à l'heure, non? J'économise pour une nouvelle voiture. Vaut mieux économiser pour une nouvelle voiture que de continuer à dépenser pour des réparations sur réparations sur réparations pour cette voiture-là. Donc, la Juni Mobile, là, elle sera bientôt débarrassée. Puis, va rentrer en scène la Juni Mobile 2. Tu vois? Et la prochaine voiture, je ne sais pas ça sera quoi. Écrivez dans les commentaires quelle voiture vous voulez que j'achète. Ah! Mais moi, hein, personnellement, si je devais acheter une voiture, ça sera ça. Ça sera ça, les gars. Ça sera ça! Vous ne savez pas quel modèle, quelle année, mais on verra, on verra, on verra. Mais ça, là, ça coûte cher. Ça, il va falloir que j'économise pendant à peu près... pendant un bon 10 mois, hein, si je veux acheter ça. Donc, je pense que ça... Ça sera ma prochaine voiture. Si ce n'est pas encore ma prochaine voiture. Mais ma prochaine voiture, je pense que ça sera peut-être une Honda Civic, bro. Apparemment, c'est des bonnes voitures. Elles peuvent durer longtemps. Soit Honda Civic, soit une Toyota. Apparemment, ces deux voitures-là, c'est des voitures qui durent vraiment. La personne au téléphone a dit qu'ils ont mon numéro de téléphone déjà.
Donc quand ils vont venir, ils vont m'appeler. Mon téléphone était en ne pas déranger. Donc là, ils m'auraient appelé. Ils auraient dit, oh frère, le bouc n'est pas là, donc on rentre à la maison. Hein. Là, je viens d'enlever le ne pas déranger là. Et puis, ouais, quand ils seront là, ils vont m'appeler. Actuellement, ma voiture, elle est vieille. Je l'ai achetée pour pas cher à un bouc là que j'ai rencontré dans la rue en plus. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Moi, je suis jamais patient. Des fois, comme j'ai juste envie de faire vite, faire vite, faire vite. J'avais 18 ans, je pense, je venais d'avoir mon permis. 18 ou 19 ans. Ouais, je venais d'avoir mon permis à peu près. Puis là, je vais acheter une voiture. Donc là, j'économisais pour une voiture. Là, je gardais mon argent de côté. J'économisais. Et là, de nulle part dans la rue, je vois un gars qui vient. Boum, 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 boum. Je vous épargne les contextes, là, les détails et tout. Là, il me dit, ma voiture, je la vends. Hein. Je suis comme, oh, pour de vrai? Il me dit un prix tellement bas, comme tellement un bon prix. Mais moi, j'étais content. Moi, je comptais économiser 3, 4 000 balles, 5 000 balles pour une voiture. Le prix qu'il m'a dit, là, je vais pas vous le dire parce que, tu vois, je vais éviter de que vous m'insultiez dans les commentaires. Il m'a dit un prix tellement bas, j'étais content. Là, j'ai dit, bon, j'achète. Là, maintenant, voilà. Problème sur problème sur problème. C'est ma faute, hein? C'est ma faute, c'est pas grave. J'ai l'air de bomber avec ma vieille voiture, là, maintenant. Je sais, je sais. Mais quand je vais acheter ma nouvelle voiture, là, oh yeah. Et oui, les gars, la dernière fois, j'avais posé une question, là, dans la communauté YouTube, là. Attendez, je vais vous montrer ça. Là, je vais voir les résultats, là. En direct avec vous. J'ai fait un test dans les dernières vidéos que j'ai sorties en sortant beaucoup de formats style Daily Vlogs, où je filme et poste le même jour. Je peux faire ça tous les jours à MDR, c'est 50-50, je ne pense pas que vous kiffez tous. Je continue 3-4 vidéos par semaine. Voilà la réponse du sondage. 3-4 vidéos par semaine, 72 personnes ont voté pour ça. Et plus de 7 vidéos par semaine, dont des Daily Vlogs, 28 personnes ont voté pour ça. Bon, quelqu'un a dit, Daily Vlogs, vraiment, c'est tellement meilleur et plus intéressant. Ouais, j'avoue. Okay. Ensuite de ça, Batala Zied a dit, je suis mitigé. Je suis mitigé. Le principal, c'est que tu fasses à ton rythme. On regardera toujours. Ok. Si quelqu'un a dit, à ton rythme, quand tu peux des daily vlogs, ça fait plaisir. Quelqu'un a dit, continue tes daily vlogs, mais pas tous les jours, genre 4 fois par semaine et le reste vidéo préparée à l'avance. Rax187 a dit, daily vlogs, c'est mieux. Ok. 72 personnes ont dit, 3-4 vidéos par semaine. Et il y a en tout 331 votes. Donc là, on va dire à peu près 231 votes fois 72%. 166 personnes veulent que je sorte seulement 2-3 vidéos par semaine. Ben, 3-4 vidéos par semaine. Les daily vlogs, là, je ne sais pas si vous kiffez ça tous. Parce que des vlogs, c'est genre, ouais, les vidéos. Des vlogs, quand je filme ma journée. Par exemple, là, c'est un vlog. Ma voiture est en train de me lâcher, là. Je vais vous montrer ma voiture tout à l'heure. On va faire un tour de ma voiture. Je vais vous présenter la Juni Mobile. Dans le sondage, on voit qu'il y a plus de la moitié des personnes qui veulent que je continue à sortir seulement 3 à 4 vidéos par semaine. Mais dans les commentaires du sondage, tous veulent que je continue à faire des vlogs. Tu vois, c'est un peu mitigé là, mais bon, bref. Je pense que, par exemple, là, c'est un vlog, non? Je vais faire des vlogs, mais genre peut-être une fois par semaine, vite fait en passant. Je ne vais pas toujours en faire à tous les jours, tu vois. Sinon, je peux en faire vraiment tous les jours, les gars. Genre, les gars, c'est tellement de trucs que je peux vous filmer de mes journées. Je suis à la maison presque tous les jours. Mais j'ai des cours et tout là, mais tu vois, j'ai beaucoup. Je peux filmer, les gars. Genre, j'ai juste à prendre la caméra, filmer. Donne-moi une caméra, donne-moi ma tête et je filme. Je filme tout ce que je veux. Et aussi. Ce que je me suis dit, c'est que les vlogs, si j'en fais, ils doivent être longs. J'ai pas envie de faire des petits vlogs parce que j'ai remarqué aussi qu'on dirait qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas vraiment les petits vlogs là, tu vois. J'ai fait des vidéos qui durent 8 minutes, 9 minutes. Il n'y en a pas beaucoup qui aiment ça. Mais quand je fais des vidéos qui durent 20 minutes, 40 minutes, là, il y en a qui aiment ça. Donc là, ma contrainte aussi, c'est qu'ils doivent être longs. Minimum 40 minutes. Comme ça, vous serez aussi forcé à regarder la vidéo complète parce que vous voulez savoir quelle est la partie la plus intéressante de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé après? Boum, 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 boum. Donc là, vous allez rester jusqu'à la fin. Frère, je sors ma langue, c'était bizarre ça, désolé, excusez-moi. Bon, il y a quelqu'un qui m'a appelé là, un pote à moi. Yagami. Là, il y a aussi une chaîne YouTube, allez vous abonner à Yagami la plante. Il m'a appelé il y a quelques instants. Allô? Ouais, allô, Junior. Ouais, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ouais. Je me demandais où est-ce que je peux trouver le faux couteau là. Tu as acheté le faux couteau là? Mais je l'ai acheté sur Amazon. Sur Temu. Ou AliExpress, bro, je me rappelle pas. Attends, laisse-moi voir si je l'ai encore, bro. Ça va être plus facile si je l'ai encore, non? Attends, laisse-moi voir, bro. Non, parce qu'après que j'ai utilisé, là, je sais même plus où je l'ai mis. Comme vraiment. Attends. Ouais. Non, il est pas là. Toi, t'es où? T'es chez toi? Actuellement, je suis en vidéo. Je suis juste en train de faire un vlog là. Parce que ma. Il y aura des gens qui vont venir réparer ma voiture là. J'ai appelé À la la. maison? Ouais. Attends, je viens. comme tu veux. Mais là, j'attends juste pour qu'ils viennent réparer ma voiture. Si je viens, est-ce que tu seras
Ouais, je vais tout filmer jusqu'à ce qu'ils viennent et tout. Et aussi, je vais montrer ma voiture et tout, là. Je vais tout filmer. Mais attends, ouais, les gars, allez vous abonner à la chaîne de Yagami, la plante, là. Allez vous abonner. Tu leur as dit ça? Ouais, dis-le. Je suis en vidéo, là. Je suis en train de filmer. Ah ouais, les gars, non, c'est toi qui dois le dire. Attends, ah ouais, je savais pas. Ouais. Vas-y, vas-y, fais-moi plaisir, ça me fait plaisir, les gars. Ouais, allez vous abonner, Complètement, les ça gars. va Allez vous faire abonner. et Allez vous tout. abonner. Ouais. Non mais les gars, je publie comme trois vidéos, ils m'entendent là? Ouais. Je mets comme trois vidéos par semaine, le mardi, le vendredi et le dimanche, les gars. Allez sur ma chaîne, j'ai fait des vidéos avec des Big Genies et le boss. Ouais, allez vous Grâce à allez lui, voir. j'ai quand même gagné une centaine de followers, mais vous n'allez pas regretter. Allez vous abonner, les gars, Donc, allez tu vous abonner. comptes lui, les gars. Ça me fait plaisir, mon gars. Merci. Ouais, y a Camille la plante, les gars. C'est moi, les gars. Il y a du contenu. Il y a même un contenu qui sort ce vendredi. Attends, ta voiture s'est gâtée? Pas gâté, mais c'est genre, il y a une couleur bizarre qui a commencé à clignoter là. Tu vois le signe de bactérie? Ouais, rouge. Pendant que je Ah, ouais, je vois roulais. ça. Un signe rectangulaire. Ouais, rouge là, bactérie, une forme de Avec bactérie. une borne positive et négative. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il s'est allumé Ouais, c'est pendant la que je roulais tout à batterie. l'heure. Ouais, ça veut dire qu'elle est faible, c'est ça? Oh, ouais, un truc comme ça. Et ça, c'est qu'un jour, l'année passée, j'allais à l'école. En plus, c'était l'hiver. Il faisait pas très froid. Il faisait comme 10 degrés. J'avais eu la chance. Et là, le signal, ça met le signal. J'étais proche de l'école, genre. J'étais vraiment à 3 minutes d'arriver à l'école. Allez, bam, la voiture s'arrête comme ça. Heureusement, j'ai eu le temps de stationner en bord d'une route. Sinon, j'ai resté au milieu. What? Puis là Je que... te jure. Quand le signal s'est allumé, j'ai dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça? J'ai mis les feux de détresse. Je me suis stationné en bord d'une. Genre, ce jour-là, je suis pas allé à l'école. Comment t'as fait pour le Après, régler? j'ai informé mon père et il m'a dit d'appeler, je sais pas trop, une remorqueuse. Ok, puis comment ils ont réparé l'auto? Est-ce qu'ils ont mis augmenté l'énergie et tout là? C'est ça? Premièrement, j'ai payé la remorqueuse. Et il m'a amené au garage. J'ai donné l'adresse. Ok. Et heureusement que j'ai appelé déjà, hein. J'espère qu'ils vont régler ça tout de Ouais. suite, bon. Les garagistes sont chers, hein? C'est chaud. Non, c'est pas un garagiste, au fait, c'est une compagnie. Ma compagnie d'assurance. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un problème de bactérie. Donc là, il faut juste augmenter la puissance de la bactérie. C'est pas ça? S'affaiblit avec le temps. Ouais, c'est ça. Avec le temps, ça, c'est le truc. Donc là, il faut augmenter l'énergie, non? Je sais pas. Oh, j'en ai marre des Ouais, il voitures, faudrait bro. aussi changer hein, un truc comme ça. Si elle est trop usée. C'est trop usé. Yo, il faut juste qu'elle me garde encore 6 mois, bro. Même pas. 5 mois, je vais acheter une nouvelle, bro. Fuck that. Ah ouais. Mais là, t'as eu la chance que c'est arrivé quand tu étais à la maison. Hein. Donc là, j'aurais pu être en train de rouler. Et là, il s'arrête comme ça, boum, en pleine route. Ah ouais, s'arrête, le voyant s'annule comme il s'allume comme ça, frère. Quand il s'allume, mon gars, t'es mort. C'est pas que tu vas avoir une alternative, tu vois. Il y a. Comment dire? Il y a un camarade de classe à moi. Il lui a dit que je faisais des vidéos sur YouTube. Il est allé check. Après, il m'a dit Yo, tu fais des vidéos avec ce mec-là? Il dit qui? Des Big Genies? Il dit Ouais, c'est un pote à moi. Il dit Ah ouais, c'est TikTok qui l'est connu là. Il dit Ah ouais, je le connais? Il dit Ouais, c'est TikTok qui l'est connu. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, what? C'est fou, quand je t'ai dit que t'es connu, mon gars, c'est fou, mon gars. Pas T'as connu pas là, besoin pas d'avoir un connu. million de followers, être certifié. Non, rien qu'à 75 000, déjà avec les stats de TikTok tu fais, mon gars, c'est une dinguerie. Ah Et je t'ai ouais. dit que tes abonnés YouTube viennent de TikTok. Moi, je t'ai dit, c'est ça. Pas tous, pas tous. Il vient pas tous de TikTok. Peut-être, oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais 70%. Non, 25% viennent de TikTok. Il y en a qui me connaissent de TikTok et que je leur demande dans la vraie vie c'est quoi ma dernière vidéo YouTube. Ils disent, oh, je regarde pas tes vidéos YouTube, juste tes TikTok. Il y en a. J'essaye de faire comme toi, tu vois. J'essaye de couper les extraits de mes vidéos YouTube et les mettre sur TikTok. Ouais, fais Je ça, mets continue, genre continue. un titre et je mets le nom de ma chaîne YouTube. Mais les gens, ils likent juste sur TikTok, mais ils s'abonnent pas sur. Mais ça, continue, continue, bro. Yo, t'es sur la bonne route. C'est ça que j'ai fait aussi pendant longtemps, chef. Ça fait un temps. Il n'y a pas de temps de limite là, tu vas juste continuer, frère. Il n'y a pas de. Dans exactement 9 mois, il y en a un qui va péter, tu vois. Tu vas juste continuer, c'est ça. Quand un va péter, ça, les autres aussi vont péter en même temps, un peu. Puis ça va péter au fur et à mesure, puis ça va continuer à poster, ça va péter, 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 péter. Parce que moi je poste tous les jours. Ouais, faut continuer, faut continuer. Putain, c'est juste, c'est pas facile, hein. T'as envie d'abandonner, frérot. Ben,
faut juste pas regarder les vues et tout, bro. Si tu regardes les vues, tu vas te décourager. C'est ça le truc. Si tu regardes les chiffres, juste fais un post, amuse-toi et du plaisir et le reste va venir, c'est tout. Allez, vas-y, on se capte. Allez, je viens chez toi. Maintenant? Je te fais une carte, je suis là. Aïe. Vas-y, quand on se capte. Vas-y. Je savais même pas qu'il venait chez moi. Je croyais qu'il allait à l'école, il l'a dit. Allez vous abonner à sa chaîne, allez lui donner de la force. Wesh, il veut percer là, il veut percer. Mais on peut pas percer comme ça. Il faut travailler pour percer. Mais il travaille aussi, mais tu vois, il faut. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut poster beaucoup. Il faut pas regarder les vues aussi. Si on regarde les vues, on est rapidement découragé. Jamais regarder les vues. Mais là, si tu continues à poster sans arrêt, sans te décourager, à un moment, ça va. Il y en a un qui va péter. Il y en a un dans le lot qui va péter. Continue. Exploite ta créativité. Poste. Utilise tes idées. Si c'était des amis, filme avec eux. Si tu as de la famille, filme avec eux. Si jamais quel membre de ta famille, les gens vont beaucoup aimer. En plus, ta famille, comme moi, Bijou, je suis H24 avec Bijou. Donc, tu ne sais jamais à qui les gens pourront aussi être beaucoup attirés, tu vois. Donc, juste poste pour amis, famille, grands-parents, grand-mère. Les gars, c'est une fake, ok? C'est une fake. C'est une fake. Calmez-vous là, regardez ça. Focus. C'est une fausse cigarette, c'est pas une vraie. C'est du plastique. Mais c'est même pas du plastique, c'est une vraie. C'est une texture assez réelle, mais je ne sais pas c'est quoi la texture. C'est genre du carton. Ouais, mais c'est une fake, les gars, c'est une fausse. Ouh, je n'ai pas pris de cigarette, non! On sort les clés de la voiture. Si je gêne là, je vais pas commencer à chercher la clé là. Ah, ça fait plus d'une heure là. Monsieur m'avait dit 45 minutes. Ça fait quand même longtemps là. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on vit. On le fait? Non, je crois pas. On va le faire! On va monter l'Everest! Hein? Non? Rie, non? Rie un peu, non? J'ai dit qu'on va monter l'Everest, nous aussi. Et puis j'ai dit, nah, je suis bien. Moi j'attends toujours les mécaniciens. Hein. Allez, les réparateurs de voitures là. Réparer ma voiture. J'espère que je n'ai pas à changer de pièce complètement parce que je n'ai vraiment pas envie de dépenser 400 balles encore pour réparer ça. Et ma voiture, je veux qu'elle me garde encore 5-6 mois. Juste 5 mois. S'il te plaît, Johnny Mobile, juste 5 mois. Après ça, je vais acheter une nouvelle voiture. Si ce n'est pas ma voiture que je veux, juste acheter une autre voiture pour pouvoir me débarrasser de celle-là. Tu vois. Mais à part ça, juste quelques mois encore. Garde-moi quelques mois, je vais acheter une autre, s'il te plaît. C'est tellement difficile de pas comme quand tu as une voiture et tu commences à rouler avec ça, tu n'arrives pas à t'imaginer sans voiture. J'ai pensé à ça il y a quelques semaines parce que là, si je n'ai plus de voiture, les gars, je peux plus conduire Bijou à ses matchs. Donc je ne peux pas regarder ses matchs parce que j'ai envie de regarder ses matchs. C'est intéressant de regarder des matchs de basket. J'aime ça regarder des matchs de basket. Je ne peux plus aller à l'école en voiture. Il faut que je me réveille tôt le matin. Mais je me réveille déjà tôt, mais il faut que je me réveille encore plus tôt. Je ne peux plus aller à Montréal si j'ai envie d'aller à Montréal. Je ne peux plus aller à 40 minutes de la maison si j'ai envie d'aller à 40 minutes de la maison. On ne peut plus faire certaines vidéos si on a envie d'aller loin quelque part pour la faire. Parce qu'on a juste le bus, on peut rien faire. On ne peut plus quitter notre ville, carrément. Il y a plein de choses que je ne peux plus faire si je n'ai plus de voiture. Parce qu'avoir la voiture a énormément facilité mon quotidien. Et les gars, en passant, à quand les 50 000 abonnés? Là, on est à combien? 41 000, je pense, 42 000, comme ça. Oh, ok, bon, là, je pense que je vais couper la caméra. Ça fait un bail que je suis là. Wesh! Pourquoi c'est comme ça? Je pense que c'est mon déodorant qui fait ça. What the fuck? Yo, ça a carrément sali mon bail, bro. What? Yo, c'est quoi ça? Et les gars, je pense que c'est le déodorant que j'utilise, là. C'est un nouveau déodorant que j'ai acheté, là, pour tester. Je ne l'ai jamais utilisé auparavant, ce déodorant-là. Il n'est pas statique dans les aisselles, au fait. Regardez ça, c'est pas normal, ça. Je suis à la maison depuis. Je vais arrêter de l'utiliser, là. Mais c'est bizarre. Depuis tout à l'heure, là, je suis sur place, les gars. Et puis, il fait que couler. Mais ça sent bon, en plus. Arrête de regarder mes pieds, bro. Putain de merde, t'es blanc? Oh, hell no. Fuck. 15 minutes. OK, 15 more minutes. And you're gonna be there. It's not 15, 50, OK? An hour? Ah, une heure, ok. 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 Donc, les gars, le bouc est censé venir.
il m'a appelé et m'a dit que c'est même pas une bonne nouvelle, hein. J'ai cru que c'était une bonne nouvelle pour me dire, yo, tu peux commencer à venir là. Il a dit, il sera là dans 60 minutes, frère. 1 heure. Il sera là dans 1 heure, les gars. Qu'il y a du trafic et tout. Mais frère, j'ai appelé il y a 1 heure. Moi, c'est maintenant qu'il vient de commencer à prendre la route. Et il m'appelle pour me dire, ah, oh, je serai là dans 60 minutes. À la place de dire 1 heure, il dit 60 minutes pour avoir l'air plus doux, quoi, tu vois. J'ai compris un peu son stratagème. Il me dit, je serai dans 60 minutes. Je lui dis, 1 heure? Il ne veut pas dire 1 heure parce que ça paraît trop. Je vais rappeler la compagnie pour leur dire, oh, j'ai pas aimé le service ou quoi, quoi, quoi. 60 minutes. Ça se trouve, il aurait même pu dire 57 minutes, tu vois, pour avoir l'air plus. Pour passer un peu plus en dessous de la table. Mais bon, je vais rien dire. Ça me dérange pas, je vais l'attendre. Dans 1 heure, je vais regarder des vidéos, gros, j'ai rien à faire. Ou bien je descends, je vous montre un peu la voiture vite fait. Non, non. Bon, les gars, regardez qui est arrivé à la maison. Il y a Y a Gami, Gami la la plante. Les plante. gars, il est venu à la maison. Mais attends, t'avais pas dit que t'avais école? J'avais école, mais mon père a voulu que je rentre tôt parce que je devais prendre soin de mes petits frères, tu vois. Ok. On a déjà fait quelques vidéos ensemble, si vous pouvez la voir sur ma chaîne, parce que les vidéos les plus populaires de ma chaîne sont celles où j'ai fait du basket avec lui et son petit frère. Ah, vraiment? Ouais. Ah ouais. Je suis rentré dans les paramètres YouTube, j'ai mis les vidéos qui ont le plus de vues. Genre, ils doivent être mis en avant. Quand une personne apparaît sur ma chaîne pour la première fois, il tombe sur cette vidéo-là. Actuellement, il est à 2900 Ah de ouais, vues. quand même. Ouais. C'est quoi le plus gros concept que tu penses que tu vas faire à l'avenir? Comme le plus gros. Ok, peut-être pas le plus gros, mais un des plus gros, on va dire ça. Parce que le plus gros, ça va être dur d'y penser là, mais un gros concept que tu ferais. Tu dis un peu comme Inoxtag? Ouais, je vais pas dire l'Everest là, mais tu vois ce que je veux dire, pas comme Ouais. un gros, pour toi, un gros concept. Qu'est-ce que tu Un ferais? objectif pour moi. Ouais, si disons, tu as le budget, tu as tout. Et là, tu veux faire comme quelque chose de gros là, qui va. Je pense que c'est rencontrer des professionnels, des maîtres nageurs. Parce que tu sais, je sais pas si on t'a déjà posé la question ou on s'est déjà moqué de toi. On t'a demandé, est-ce que tu connais un pote ou un Africain qui sait nager? Yo, ça m'a touché, j'ai dit, oh shit, c'est quoi cette question, tu vois? Ah. J'aimerais, j'ai approuvé au monde que les Africains savent nager. C'est nager? Là, je me débrouille, mais je sais pas Ok. flotter, je sais pas Ok, flotter. Je pense que je vais faire le défi dans un fleuve. Je le ok, ferai peut-être un jour, comme gros concept sur Donc ma chaîne. ça c'est le gros concept. Ouais, ça, c'est le gros concept. Ouais. Moi j'ai pensé à ça vite fait, tu vois, c'est pas à ne pas prononcer, ok, mais ça serait un gros truc là, ok, tu sais quoi? Passer 24 heures dans une prison, une vraie prison. Comment j'ai eu l'idée, c'est parce qu'il y a des émissions aux États-Unis, ok, où il y a des gens qui vont en prison et qui s'infiltrent et qui essaient de passer genre 2-3 jours là-bas. Il s'infiltre comment? Est-ce qu'il fait Ah non, genre une infraction? non, la prison les laisse. C'est genre une émission de télé. Genre, Donc imagine faire ça sur YouTube. est-ce qu'il rentre en contact avec les vrais prisonniers? Oui, ils rentrent dans la prison et ils essaient de se faire passer genre incognito, rien, comme ils essaient de vivre l'expérience de quelqu'un qui est en prison, quoi, tu vois, mais sans se faire démasquer qu'ils sont dans une émission de C'est télé. juste un rôle. Ouais, un rôle, c'est ça. Il y en a qui arrivent à se faire démasquer, il y en a qui arrivent à s'infiltrer avec les prisonniers et tout, et comme faire ami-ami avec eux, tu vois. Ouais. Donc, imagine faire ça sur YouTube. Oh, j'ai pensé à ça la dernière fois. Donc, peut-être, mais peut-être pas aussi, là, tu vois, quelle prison je vais trouver ici qui va accepter que je vienne pouvoir faire du contenu, pouvoir rester là un jour et partir, tu vois. Ça va être chaud. Mais j'ai pensé à ça quand j'ai regardé une émission américaine la dernière fois, là. Imagine faire ça sur YouTube, comment c'est crazy. Comment ça va être fou. Je passe 24 heures dans une vraie prison. Quoi d'autre comme concept? Un autre. Un autre comme ça, frérot, là, je sais pas trop mon délire pour le moment. Là, je vais essayer d'aller pas à pas, mais Ah ouais, ok, ouais, le ça. but est d'atteindre les 1000 abonnés moi, je veux les 1000 abonnés Ah. sur YouTube. C'est tout ce que je T'es veux pour déjà le moment. proche? Je T'es suis genre proche, mais je suis 400, 700? 464. Moi, j'ai demandé juste 1000 abonnés. Après, le reste, ça va venir tout seul. Je m'en fous un peu du reste, mais les gars, Ah ouais. Les travail gars, 1000 abonnés, les acharné. 1000 abonnés, Vous ne amenez-les. savez pas ce que ça fait, les gars, je vous jure. Ouais. 1000 abonnés, ça fait mon délire. Ça fait. Depuis tantôt, ça fait des semaines, je te dis, il faut qu'on trouve, vu que c'est la période des classes, il faut qu'on trouve genre du temps pour faire une vidéo ensemble, dans le but de faire grandir ma communauté. Ouais, on peut faire des vidéos. Moi, je suis là, moi, je suis toujours là. Et les gars, au niveau du concept que j'ai dit là, prison là, j'ai dit ça au hasard. Hein. J'ai vu une émission américaine, mais allez pas prendre en compte ou quoi, là, on sait jamais. Ouais. On sait jamais. C'est toi Tu m'as vu, c'est lui, vous. Ouais, sur TikTok, je t'ai vu vite Ah fait. ouais. Ah ouais, j'ai apparu dans ton For You page. Ouais. Ah ouais, ça va encore? Ouais, Ah mais. ouais. T'as déjà été avec lui, là, Yes. qui fait. Lamborghini. Lamborghini, Ah est-ce que tu ouais. dis bonjour? Ah ouais. Je t'ai dit, ils sont là-bas, frère, ils t'attendent. Il m'attend? Ils t'attendent, frère, t'as vu la preuve.
Lambo. T'as vu, exemple, cet exemple-là, eux, ils ont juste vu TikTok, ils connaissent pas que je suis une chaîne YouTube. Ils savent pas que je suis youtubeur, peut-être. Ah. C'est ça que je t'ai dit. Donc, la plupart des abonnés YouTube, ils viennent pas juste de TikTok. Il y en a, il y a une partie qui vient de TikTok, mais il y a beaucoup aussi qui viennent de recommandations YouTube. Ouais. Les gars, dites dans les commentaires si vous voulez que j'aille dans son quartier ou pas. Et voir les jeunes là et tout. Fais-le avant l'hiver, hein. Ah ouais, bah. En hiver, personne sort. Personne sort, frère. Là-bas, il y a que la neige, frère. On verra, écrivez dans les commentaires oui ou non si vous voulez que j'aille dans son quartier avec Bijou aussi. Peut-être, si Bijou veut. Enfin, Bijou, il a juste pas envie là. Bijou, c'est le boss. Là, il entend jouer à l'appli et tout, il veut pas. Bon, les gars, il est arrivé, regardez. Il est en train de tout faire là. Ok, can you start please? Start the car? Yes. Ok, putain de merde. Écoutez le vlog, ok? Écoutez les prêches. Vous voyez ça? Just you need drive at 30 minutes, okay? Uh-huh. For charge the battery. But you will check the battery. Maybe you need a new battery, okay? Okay, yeah. It's done? Yeah. Let me go. Okay, listen, thank you. Turn off the engine for 30-40 minutes. Can you drive? Yeah, I can drive. Okay, drive 30 minutes. Now? Yes. For 30 minutes? For charge the battery, yes. Okay. All right, thank you, man. Have a nice day. Yeah. Donc, attendez, les gars, je sais pas comment vous faites le délire. Il est venu, il a posé un truc pendant 2 secondes et c'est fini. Et il a dit que ce qu'il faut que je fasse, au fait, c'est conduire la voiture pendant 30 minutes. Je dois juste conduire la voiture. Et là, il a dit si le problème n'est pas réglé, c'est qu'il pense que je dois peut-être changer la batterie au complet. Donc là, c'est genre, c'est la batterie le problème, au fait. Et je lui ai dit que je ne veux pas changer ma batterie parce que je ne compte pas garder cette voiture-là pendant encore plus de 6 mois, tu vois. Là, actuellement, il est 2h30, enfin 14h30, on doit rouler jusqu'à 15h. Et je pense que ça colle bien parce que Bijou, il a sa pratique de basketball. Je peux aller le chercher maintenant. J'espère que pendant que je suis en train de conduire, ça ne va pas encore apparaître le bouton là, rouge, change la batterie ou bien batterie faible ou quoi. Sinon, j'aurai le seum. Je vais... Fuck! Bon, on y va. Allô? T'as fini? Oui. Ok, je viens te chercher. Ok, merci. Dis-moi quand t'es là. Ok, bye. Mais vous allez être avec moi là pendant que je conduis aussi parce qu'on va voir ça. Si, oh, les gars, c'est ici que ça apparaissait ce matin là. Ça apparaît ici ce matin, le bouton là. Attendez, je sais pas si vous... Attends, je peux arrêter la voiture? Non, il a dit de pas toucher à la voiture. Il a dit de pas du tout arrêter la voiture. Donc j'ai pas envie de prendre le risque d'arrêter et que ça casse quelque chose. Oh, c'est ça! Check là! Ah! Check engine. Comme, check ton... Vérifie ton engin. J'ai fait des petites recherches, j'ai regardé des vidéos, ils ont dit qu'apparemment ça ne fait rien, tu vois. Quand ça dit check là, tu peux ne pas regarder ça, ça fait rien. Mais quand je vais commencer à rouler, une paille a apparu ici, là j'ai stressé. Les gars, j'aimerais vous dire un truc, ok? Ne conduisez jamais avec une caméra dans les mains. Je suis un professionnel, je m'y connais, je sais ce que je fais. Ne faites jamais ça, ok? C'est fait par des professionnels, dont moi. Vous voyez ici là, vous voyez l'espèce de truc avec une batterie là? C'est ça qui a commencé à clignoter tout à l'heure. Là il est clean, là il est bon, on est bien. Bientôt on aura une nouvelle voiture et puis là je vais commencer à faire des vidéos comme ça. Ouh, avec ma nouvelle voiture. Non, regardez pas ce logo vilain là. Yak, 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 c'est tellement gênant. Non. Oh, une Tesla. Ah, je pourrais bien prendre une Tesla en vrai. Tiens, c'est quoi ça là? Putain de merde. C'est même pas une voiture, hein. Une Tesla ça peut être bon, mais... Je pourrais bien économiser pour une Tesla. Mais ça va me prendre juste trop de temps à économiser parce que... Non, juste allons-y avec une petite voiture là. Petite voiture, mais voiture que je veux. Oh, j'ai cru que c'est ma voiture qui faisait un bruit là. Vous avez entendu ça? Cac, cac, cac. Des fois je roule comme ça. Oh, les gars, des fois je roule comme ça et j'entends des bruits de nulle part dans ma voiture. Et ce que je fais, c'est ça. Je vais vous montrer ce que je fais. Voilà ce que je fais quand je commence à entendre un bruit dans ma voiture. Voilà ce que je fais, ok? C'est un même des 10. Ouais! J'entends rien! J'entends rien! Ça peut m'avoir! Hey! Non, quoi? C'est les gars, je commence à entendre un bruit là, parce que la dernière fois là, je me rappelle, je conduisais, ok? Et là, la voiture a commencé à faire.
tac 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 tac. Comme si c'était genre des claquettes, vous voyez, au balai là. Tac 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 tac. Et là, j'avais même pas envie d'entendre le bruit. J'avais même pas envie. J'avais pas envie de ça. J'ai juste augmenté le volume de la musique et j'ai commencé à chanter. Bah ouais, là je suis déjà devant l'école de bijoux, je vais le chercher et puis je vais rallumer la caméra dans 30 minutes là, mais dans 20 minutes là quand il sera 15h pour vous montrer un peu comment est la voiture et tout. Tu vas me garder encore pendant 5 mois, Johnny Mobile, s'il te plaît. Hein? Juste 5 mois. Et je vais pas te vendre, je vais pas te jeter dans la poubelle ou quoi là. Ok, je vais pas te vendre. Je vais te garder toujours à moi, ok? Tu m'as tenu pendant longtemps et je t'aime beaucoup, ok? Donc, juste garde-moi encore pendant 5 mois. Juste 5 mois, ok? Ne te casse pas, pas de problème majeur. Continue à rouler, c'est tout ce que j'ai besoin de toi. Du point A au point B, c'est tout, ok? Johnny Mobile, merci beaucoup. Ouais. Bon, les gars, dites tout à l'heure à Johnny Mobile, on va se voir tout à l'heure. Et puis, ouais. C'est ça. La Johnny Mobile, ça fait combien de temps que je l'ai à peu près? Elle nous a bien gardé quand même, non? 2 ans, 3 ans. J'ai dépensé beaucoup en réparation, bijouterie. Vous voyez combien il rit? Plus de 1000 dollars. Beaucoup plus de 1000 dollars. Beaucoup plus. Avoue, si j'avais gardé tout l'argent, j'aurais pu acheter une bonne voiture après. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? T'as fait exprès. Non, arrête ça là. En plus, le pire, quand j'ai acheté la voiture, les gars, je savais pas que c'était comme ça. Que les. Ouais. J'ai pas fait attention mais à ça, non? J'ai pas vu ça, les gars. Le gars, il m'a fouqué. C'est pas grave. Moi, j'ai acheté la voiture, c'est un coup de tête, c'est comme, ok, je vais l'acheter, boum. J'avais besoin d'une voiture. Là, j'ai même pas vu ça, les gars, Regardez-moi ça à l'ancienne. Fucking dégueulasse, mais bon, ma prochaine voiture, elle aura pas ça. Ma prochaine voiture, ça sera automatique. J'ai même pas vu ça. Avoue, quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à maman, c'est pas automatique. Attendez. Prends tes verres. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, où est la clé? Ouais. Parce que, on peut pas, c'est pas bip, c'est pas automatique. Ok, c'est bon. Ouais, c'est pas automatique, les gars. Donc là, il faut fermer les portes automatiquement et les ouvrir aussi automatiquement. Manuellement, je veux dire. Derrière aussi, le coffre aussi. Prochaine façon que je veux, j'ai bien envie que, comme, on mette le pied en bas et ça ouvre le coffre. Non, mais ça, c'est trop. Quoi? Genre le bouton. Attends, je vais pas montrer ma plaque là, mais comment? Comme un bouton. Après, ça fait. Et ça ouvre tout seul, genre? Mais je peux entrer dedans, il a. Ouais. Ça passe. Et ouais. Encore ici. Pas grave, ça me dérange pas. Tout ce qui est important, c'est que ça roule. C'est ça le plus important. Et là, ça fait. Oh, je pense que ça fait déjà les 30 minutes hein, que je roule. Là, il a dit de rouler pendant 30 minutes. Donc, je suis allé chercher bijoux. On a roulé. Là, on s'est arrêté ici. Puis on a. Et ici. Je ne s'entends pas. Et ne t'entends pas. Je chante la chanson. Nice to meet you. C'est pas parti. Quand on doit montrer les gars, bijou. Le frein ne marche pas dans la voiture, hein. Les gars, on a galéré, bijou et moi, hein, dans cette voiture là. On est déjà allé. Ouais, on a déjà fait des routes de genre une heure avec des chaleurs intenses. Alors, quand on est allé au. Lambo. Non. Ouais, Lamborghini aussi. Lamborghini, il faisait quand même froid, t'as pas vu, j'étais en veste. Bah, on a déjà. Ouais. Tellement chaud. On a déjà fait des gars, des 1h10 de route avec des chaleurs intenses. En plus, j'arrivais comme ça. Et il n'y avait pas de climatiseur là-bas. Le climatiseur ne marche pas. Il m'a fouqué. Les gars, je dis ça à vous, ok, Bijou aussi. Au moins, moi, je l'ai vécu. Donc là, je peux voir Bijou quand il va le faire. Et aussi, vous aussi, 14, 15, 16 ans, je ne sais pas quoi. Avant d'acheter une voiture, ne soyez pas pressé. Calmez-vous, économisez bien de l'argent. Et avant d'acheter une voiture, allez dans un garage pour faire vérifier la voiture. Et puis, ou bien si vous avez un daron ou une figure paternelle qui s'y connaît bien en voiture, amenez-le avec vous pour qu'il vérifie bien la voiture, pour qu'il donne le feu vert. Ne soyez pas sur un coup de tête comme ça. Oh, j'ai besoin d'une voiture. Oh, écoute combien? 2500? Je la prends comme ça, tu vois. Genre, faut être bien calculé pour acheter une voiture. Et vous allez éviter beaucoup de problèmes comme moi là actuellement. Par contre, le chauffage marche. Donc, il va commencer à faire l'hiver et tout là. Mais il va commencer à faire froid bientôt et tout. Ça pourra marcher. Le chauffage va marcher. Mais le climatiseur, non. Donc, des fois, quand on conduit comme ça et tout là, il faut juste ouvrir les fenêtres et laisser le vent rentrer. C'est comme ça qu'on se rafraîchit quoi. Mais c'est évident qu'il n'y a pas d'écran dans la voiture, non? Non, shit. Ben ouais, il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas de Bluetooth. Il n'y a pas de Bluetooth. Ça intègre les. Arrête! Arrête de le dire! Il n'y a pas de Bluetooth, mais j'ai trouvé une façon pour pouvoir mettre la musique dans la voiture. Parce que imaginez conduire cette voiture-là
depuis que je l'ai là, la conduire sans musique. Avec seulement la radio, c'était tellement plate, tellement nul. Mais là, on a ça. C'est pas avec la porte qu'on va faire. Sors-toi. On a fait des jaloux. On a touché les blancs, on a touché les blancs, on a fait des gens. Mais monsieur le junior, avant d'être junior, je suis un enfant du bloc. Allez là, on a pas. Tu veux le climatiseur? Yeah. Non, banane. Y'a pas de distraction. Et dans le temps, ici à 10h, je me donne le gars, c'est leur digérant. Y'a des armes de poing, des fusils d'assaut. Oh, besoin de personne pour nous aider. Besoin de personne pour nous aider. Avoue, tout à l'heure, j'ai eu peur qu'elle s'arrête en pleine route. Hein. Ouais. Elle faisait un bruit bizarre là. Mais le bruit que je vous ai montré tout à l'heure là. Ouais. J'avais peur qu'elle s'arrête en route. What? Bruit, bactéries, tout. J'en ai marre, bro. Ça a coûté combien? La voiture? Ouais. Je ne sais pas. Comme batterie. Ok. Ah, c'était gratuit parce que c'était une compagnie, mon assurance en fait. Oh, je les ai appelés. Ok. Mais ça veut dire que si tu as un problème dans la voiture, tu peux payer ton assurance? Non, ça c'est différent. Ça c'est assistance routière en fait. Toujours ça intégré dans mon assurance, tu vois. Donc là, si je m'arrête, ma voiture s'arrête en pleine route, je peux les appeler pour qu'ils m'aident et tout. C'est l'assistance routière. Je savais même pas ça parce que j'ai demandé à un book s'il pouvait m'aider. Là, il m'a dit que d'appeler assurance et tout. Longue histoire, mais ouais, c'est pour ça qu'ils sont venus et. Il a boosté le bail, mais là je suis content parce qu'on ne va plus le bail. Et puis on va le rouler encore un peu et voir. Espérons qu'il ne va pas s'arrêter en pleine route. Hein. Ce petit bolide là. La Juni Mobile. Bro. La Juni Mobile. En plus, écoutez le bruit qu'elle fait là. C'est un gros bruit, non? Est-ce que c'est normal ça? J'ai pas envie de montrer la voiture de devant. Bon, elle est trop. Elle n'est pas vilaine, elle est belle. La Juni Mobile. Merci de m'avoir regardé pendant longtemps. Hein. Je vais te garder pendant longtemps encore. Ok? Reste avec moi encore pendant 5 mois. 5-6 mois, ok? Juni. Un Juni Mobile. Un Juni Mobile. Encore quelques mois. Bon les gars, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo. Elle est assez longue là. C'était un petit vlog là de ma petite mésaventure qui arrive avec ma voiture. Et c'est ça quoi. J'espère juste que je vais pas arrêter la caméra et demain, elle va encore se rallumer rouge, beau. Bon, likez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. La prochaine vidéo, ça va être une vidéo très intéressante parce qu'on a fait un concours de bouffe, Bijou et moi. Je ne sais pas laquelle, mais pronostique dans les commentaires qui a gagné selon vous. Moi, je dis rien. Je sais qu'ils vont se dire Bijou, 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 mais moi, je dis rien. Meilleur cuisinier dans la maison, c'est qui? C'est... On sait déjà c'est qui. Tu sais, bro. Je sais, on peut. Ok, on se casse. On se casse. Allez. Peace.